Nous allons voir dans cette vidéo le type chaîne de caractère, qui s'écrit STR. C'est un type que nous avons déjà pratiqué jusqu'à maintenant, mais nous allons voir dans cette vidéo tous les détails de ce type. Le type chaîne de caractère fait partie des séquences. Donc toutes les opérations et toutes les fonctions qui existent sur les séquences fonctionnent sur les chaînes de caractère. Je vous en rappelle quelques-unes. Nous avons le test d'appartenance, X in S, si S est ma chaîne de caractère. Le test de non-appartenance, X not in S. Nous avons la concaténation, S plus T. Nous avons l'accès par indice, S entre crochets I. Et nous avons également, évidemment le slicing, S de I, de point J, de point K. Il y a évidemment plein d'autres opérations que nous pouvons faire sur les séquences. J'en rappelle juste rapidement quelques-unes. La chaîne de caractère étant immuable, il n'est pas possible de faire de modifications en place. Donc, si on veut modifier une chaîne de caractère, le seul moyen, c'est de créer une nouvelle chaîne de caractère. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les chaînes de caractère. Il existe plusieurs manières de définir des chaînes de caractère, deux manières principales. Donc, regardons la première manière, S1 égale spam. Donc, on voit que j'ai une chaîne S1 qui vaut spam. Mais je peux également écrire S2 égale guillemets spam. Et si j'affiche H2, je vois que c'est également la même chaîne de caractère spam. J'ai donc deux manières d'écrire les chaînes de caractère avec des apostrophes ou avec des guillemets. Pourquoi est-ce que j'ai deux manières de le faire en Python? En fait, la raison est très simple. Supposons que j'ai une chaîne de caractère dans laquelle j'ai une apostrophe. Si je délimite ma chaîne de caractère par des apostrophes, Python n'a aucun moyen de savoir si l'apostrophe dans ma chaîne de caractère délimite la fin de ma chaîne ou est juste une simple apostrophe. Donc, prenons un exemple. S égale l'herbe. L-H-E-R-B-E. Voilà. Mon apostrophe dans la chaîne de caractère est clairement une apostrophe puisque ce qui délimite ma chaîne de caractère, ce sont les guillemets. Donc, ma chaîne est parfaitement bien interprétée. Si par contre, j'avais écrit S apostrophe l'herbe apostrophe, Python n'a aucun moyen de savoir où se termine la chaîne de caractère et donc j'aurai une erreur de syntaxe, syntaxe non valide. Il trouve que L est une chaîne de caractère, par contre ce qui suit L est considéré comme quelque chose qui est une erreur de syntaxe. De même, si je délimite ma chaîne de caractère par une apostrophe, je peux écrire dans ma chaîne de caractère des guillemets, par exemple un guillemet, deux points, et je veux montrer ce que c'est un guillemet. Ma chaîne de caractère S contiendra bien le guillemet comme un caractère normal de la chaîne. Et la chaîne, dans ce cas-là, est délimitée par des apostrophes. Il existe une troisième manière d'écrire des chaînes de caractères en Python. Cette troisième manière est très utile lorsque l'on fait de la documentation en Python. Donc, regardons un exemple. J'écris S égale, et cette fois, je vais mettre des triples apostrophes. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ma chaîne de caractères? Je vais mettre, par exemple, une documentation. Usage, 2.fft2n, et j'aligne sur FFT, calcul, la FFT2n. Donc, supposons que j'ai une fonction FFT qui prenne comme argument n, et je vais écrire la documentation de cette fonction. Je vais écrire entre triple guillemets cette documentation. Quel est l'avantage du triple guillemet? C'est que dans cette chaîne de caractères, tous les retours chariots sont pris en compte. Si je fais un print de S maintenant, nous voyons que cette chaîne contient exactement ce que j'ai écrit, exactement formaté de la bonne manière. Si maintenant je regarde la représentation interne de S, donc je fais juste S retour chariot, on voit que dans ma chaîne de caractères, Python a automatiquement ajouté les retours chariots, qui en Python sont écrits par des backslash n, et les espaces nécessaires à ce que, lorsque je fais un print de S, ma chaîne de caractères s'affiche de manière correcte. Pour finir, les chaînes de caractères sont des objets très puissants qui contiennent énormément de fonctions. Prenons un exemple. J'ai une chaîne de caractères S qui contient le spam, virgule, c'est bon. Donc je peux faire un print de S et j'ai ma chaîne de caractères, le spam, c'est bon. Supposons maintenant que je veuille transformer cette chaîne de caractères et la mettre en majuscule. J'ai une méthode dessus qui s'appelle upper, qui va prendre cette chaîne de caractères et retourner une nouvelle chaîne de caractères en majuscule. C'est très important, c'est une nouvelle chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, je vous rappelle, sont immuables, par conséquent, on ne peut pas les modifier. Une fois qu'elle est créée, elle est créée définitivement, elle ne peut plus être modifiée. Le seul moyen de modifier une chaîne de caractères, c'est d'en créer une nouvelle et de retourner cette nouvelle chaîne de caractères. Donc, si je veux changer ma variable S et que ma variable S référence un objet en majuscule, je suis obligé d'écrire S égale
la nouvelle chaîne de caractères s.upper. Et maintenant, s vaut bien cette chaîne en majuscule. Si maintenant, je veux remplacer spam par un autre mot, par exemple poulet, parce que le poulet, c'est meilleur que le spam, j'écris s.replace de spam, virgule, poulet. Et maintenant, je vais obtenir une nouvelle chaîne de caractères. Encore une fois, replace ne va pas modifier en place, mais va retourner une nouvelle chaîne de caractères qui contient le poulet, c'est bon. Si je veux que ma chaîne de caractères, si je veux que ma variable s référence cette nouvelle chaîne, je vais écrire s égale s.replace spam par poulet. Regardons maintenant un autre point important avec les chaînes de caractères. C'est le passage des chaînes de caractères aux listes, puis des listes aux chaînes de caractères. Je vous rappelle qu'une chaîne de caractères, c'est immuable. Par conséquent, on ne peut pas la modifier. Un moyen simple de travailler sur les chaînes de caractères est de la convertir en liste, de modifier la liste et de reconvertir la liste en chaîne de caractères. Regardons comment faire ça. J'ai ma chaîne de caractères S qui contient le poulet, c'est bon. Je veux convertir cette chaîne de caractères en liste. Alors, convertir une chaîne de caractères en liste, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un séparateur dans ma chaîne de caractères, par exemple l'espace, et mettre chaque mot dans un élément de ma liste. Je peux faire ça en une seule instruction en Python. Je vais faire L égale S.split. Que va faire split? Si je ne passe pas d'argument à split, il va considérer que l'espace, c'est le séparateur. Il va donc prendre chaque mot et les mettre dans un élément différent de ma liste. S.split, regardons ce que vaut L. L vaut le, poulet, C et bon. Voilà. Chaque mot a été mis dans un élément différent de la liste. Maintenant, je peux changer certains mots de ma liste. Par exemple, je veux faire L2, 3 égale la chaîne de caractères mauvais. Donc, c'est différent du replay, c'est une autre manière de travailler sur les chaînes de caractères. Je dis que maintenant, alors, ce n'est pas la bonne chaîne de caractères, c'est un L minuscule. On voit name error, name L is not defined. Évidemment, il n'est pas défini. C'est le L minuscule qui est défini. Les chaînes de caractères prennent en compte la case. Donc, un L minuscule est différent d'un L majuscule. L2, 3 égale mauvais. Je regarde L, maintenant, c'est une nouvelle chaîne de... je regarde L, c'est une nouvelle liste. C'est la même liste modifiée. Le poulet, c'est mauvais. Maintenant, je peux reconvertir cette liste en chaîne de caractères. Comment je fais ça? Avec l'instruction join. Je vais écrire une chaîne de caractères, point .join de L. Quel va être le résultat de cette opération? Ça va prendre chaque élément de ma liste L et ça va les séparer par ce que j'ai passé à gauche de mon join. À gauche de mon join, j'ai mis un simple espace. Je vais donc créer une nouvelle chaîne de caractères qui va être séparée par un espace. Si je veux remplacer l'espace par un autre signe, par exemple un tiré bas, un underscore, je peux le faire et ma chaîne de caractères sera créée avec comme séparateur un tiré bas. Ainsi, avec le split et le join, on peut passer d'une chaîne de caractères à une liste, puis d'une liste à une chaîne de caractères. Et on profite d'avoir une liste pour modifier la liste et retourner à la chaîne de caractères. Comme j'ai expliqué précédemment, les chaînes de caractères sont des objets très puissants. Il existe énormément de fonctions, de méthodes sur les chaînes de caractères qui permettent d'obtenir de nouvelles chaînes de caractères modifiées. Vous verrez en complément d'autres exemples de méthodes sur les chaînes de caractères et n'hésitez pas à regarder la documentation Python qui vous présentera de manière exhaustive toutes les méthodes qui existent. C'est très probable que l'opération que vous voulez faire sur les chaînes de caractères, c'est très probable qu'il existe déjà une méthode pour faire l'opération que vous voulez faire sur les chaînes de caractères. Cette semaine, nous avons vu des notions très importantes. Nous avons vu les notions de variables, d'objets et de typage dynamique. Nous avons vu un certain nombre de types de bases, notamment les types séquences avec les listes, les tuples et les chaînes de caractères. Et nous avons vu, nous avons abordé, présenté rapidement, certaines notions nécessaires à l'écriture de vrais programmes, comme les instructions if-else, les boucles for et les fonctions. La semaine prochaine, nous allons continuer notre approfondissement de Python avec de nouvelles notions fondamentales. Nous allons notamment parler des références partagées, un concept majeur en Python qui est nécessaire à la compréhension du fonctionnement de ce langage. Nous verrons également la notion d'itérateur, un deuxième concept fondateur en Python qui est utilisé dans toutes les structures itérantes et notamment dans les boucles for. Puis nous continuerons notre survol des types de base avec la présentation des dictionnaires et des ensembles. Et nous approfondirons les instructions que nous avons vues cette semaine, comme l'instruction if-else et les boucles for. À bientôt !